cher manager, bonjour. je suis julien godefroy, consultant et formateur en management. pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. vous trouverez le lien dans la description. pensez aussi à vous abonner à ma chaîne youtube pour consulter mes dernières vidéos. regagner la confiance de son équipe peut être un défi. cependant, avec les bonnes stratégies, leadership et un engagement sincère, c'est tout à fait réalisable. Savoir comment regagner la confiance de son équipe offre une multitude d'avantages précieux pour un leader. Tout d'abord, cela permet de restaurer un environnement de travail positif et productif. Lorsque la confiance est ébranlée, les relations au sein de l'équipe peuvent devenir tendues et les collaborateurs moins efficaces. Outre cela, cette compétence renforce la crédibilité d'un leader. En démontrant la capacité à reconnaître ses erreurs, à prendre des mesures correctives et à être transparent dans ses actions, un leader gagne le respect et l'admiration de son équipe. De plus, lorsque les membres de l'équipe croient en la sincérité et la compétence de leur leader, ils sont plus enclins à suivre ses directives et à accepter les changements nécessaires. Enfin, savoir regagner la confiance de son équipe favorise de meilleures relations. Lorsque les membres de l'équipe sentent qu'ils peuvent faire confiance à leur leader, ils sont plus enclins à partager des informations importantes, à poser des questions cruciales et à signaler des problèmes potentiels. Voici les sept étapes pour mieux comprendre comment regagner la confiance de son équipe. Premièrement, identifier les problèmes et prendre des mesures. Pour regagner la confiance de son équipe, il est essentiel de commencer par une évaluation franche et approfondie des problèmes qui ont contribué à la perte de confiance. Cette étape cruciale nécessite une réflexion honnête et une introspection sur les décisions passées, les actions entreprises et les interactions avec votre équipe. Une fois que vous avez une vision claire des problèmes, le passage à l'action devient impératif. Il s'agira d'élaborer un plan d'action concret qui aborde spécifiquement chaque problème identifié. Pour chaque point, envisagez des mesures concrètes et réalisables que vous pouvez prendre pour résoudre ou atténuer le problème. Cela peut inclure des ajustements dans la communication des changements dans les processus décisionnels ou des efforts pour améliorer la transparence. L'idéal est d'impliquer au maximum votre équipe dans l'élaboration du plan d'action. En effet, cela l'engagera et contribuera à remettre de la confiance. Une fois que votre plan d'action est en place, partagez-le ouvertement avec votre équipe pour démontrer votre engagement à transformer les problèmes en opportunités d'amélioration. Deuxièmement, communiquer de manière ouverte et transparente. Lorsque la confiance au sein de votre équipe s'effrite, la communication devient un pilier crucial pour la restaurer. Adopter une approche ouverte et transparente dans vos interactions renforce la crédibilité et montre votre volonté de travailler ensemble pour surmonter les défis. Dans cette démarche, il est essentiel d'engager un dialogue honnête avec votre équipe. Organiser des réunions vous pourrez expliquer de manière franche la situation reconnaissez les problèmes passés et évoquer vos efforts pour les résoudre. en partageant les informations pertinentes même celles qui peuvent être délicates vous témoignez d'un engagement envers l'intégrité et la confiance mutuelle. de plus vous pouvez encourager votre équipe à exprimer ses préoccupations à poser des questions et à partager ses idées. une telle ouverture à la rétroaction démontre que vous valorisez leurs opinions et que vous êtes prêt à collaborer pour atteindre des solutions constructives. Il est tout aussi important d'être prêt à répondre aux questions avec honnêteté, même si cela signifie reconnaître davantage d'erreurs. Cette transparence contribue à créer un environnement où chacun se sent entendu et respecté. Cela jette ainsi les bases d'une relation de confiance solide et durable. Troisièmement, fixer des objectifs réalistes. Après avoir identifié les problèmes et amorcé des mesures pour restaurer la confiance, L'étape suivante consiste à établir des objectifs réalistes pour votre équipe. Ces objectifs servent de boussole pour guider vos efforts collectifs et montrent votre engagement à créer un avenir positif. Lorsque vous fixez des objectifs, il est important de les rendre spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et limités dans le temps, critères smart. En définissant clairement ce que vous visez à accomplir, vous fournissez à votre équipe une vision concrète et motivante. Les objectifs réalistes doivent également refléter les valeurs et les priorités de votre équipe. Prenez le temps d'impliquer vos collaborateurs dans le processus de fixation d'objectifs. En les incluant dans la discussion, vous montrez que leur opinion compte et que vous œuvrez ensemble vers un avenir collectif. Cette démarche collaborative renforce non seulement le sentiment d'appartenance, mais offre également des occasions de renouveler la confiance en alignant les objectifs sur les intérêts mutuels. Quatrièmement, être cohérent dans ses actions. Lorsque vous cherchez à regagner la confiance de votre équipe, la cohérence dans vos actions est une pierre angulaire essentielle pour renforcer votre crédibilité et votre fiabilité en tant que leader. Votre équipe observe attentivement vos décisions, vos comportements et vos réactions pour évaluer votre engagement sincère. Par conséquent, il est crucial de maintenir une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Évitez les changements brusques d'approche ou les réactions impulsives. Cela pourrait semer le doute quant à votre engagement à long terme. Tenez-vous à vos engagements et assurez-vous que vos actions reflètent les valeurs que vous prenez. Si vous avez promis des changements positifs, veillez à les mettre en œuvre de manière constante et équitable. La cohérence crée un sentiment de stabilité et de prévisibilité au sein de votre équipe, renforçant ainsi la confiance qu'il place en vous. Pour maintenir cette cohérence, Prenez du recul régulièrement et évaluez vos actions à la lumière de vos objectifs de rétablissement de la confiance. Demandez-vous si vos décisions et vos comportements sont alignés sur les valeurs que vous communiquez et sur les objectifs que vous poursuivez. Si des ajustements sont nécessaires, soyez prêt à les entreprendre de manière réfléchie et consciencieuse. Cinquièmement, écoutez activement et impliquez son équipe. Dans le processus de regagner la confiance de son équipe, l'écoute active et l'implication de chacun jouent un rôle crucial pour renforcer le sentiment d'appartenance et restaurer la coopération. L'écoute active ne se limite pas à entendre les paroles. Cela implique de comprendre les sentiments, les préoccupations et les perspectives de chaque membre de l'équipe. Créer un espace où ils se sentent écoutés et valorisés constitue la base d'une relation de confiance solide. Encouragez ouvertement votre équipe à partager ses pensées ses idées et ses préoccupations, organiser des séances de discussion régulières. Chacun pourra exprimer ses opinions en toute liberté. Lorsque les membres de l'équipe sentent que leur voix compte, ils sont plus enclins à collaborer et à contribuer activement à la résolution des problèmes. Prenez le temps d'explorer différentes perspectives et de discuter des points de vue divergents de manière respectueuse. L'implication de votre équipe ne se limite pas à écouter passivement. En effet, cela implique également de les engager dans le processus de prise de décision, solliciter leur avis lors de la planification et de l'exécution des initiatives. Cette participation démontre que vous reconnaissez leurs compétences et leurs contributions tout en renforçant le sentiment que votre engagement à travailler ensemble pour le bien de l'équipe est réel. Sixièmement, être patient et montrer son engagement. Lorsqu'il s'agit de regagner la confiance de son équipe, la patience et la détermination sont des vertus essentielles. La reconstruction de la confiance ne se fait pas du jour au lendemain, mais plutôt à travers un processus continu de démonstration de votre engagement sincère. Adopter une approche patiente signifie reconnaître que la confiance a été ébranlée et qu'elle nécessite du temps pour être établie. Montrez à votre équipe que vous êtes déterminé à apprendre de vos erreurs et à grandir en tant que leader. Lorsque des revers se produisent, ne vous découragez pas, au lieu de cela, utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage pour vous améliorer. Soyez ouverts au retour d'informations, même s'ils soulignent des domaines ou des améliorations sont nécessaires. Cette réceptivité montre votre volonté de prendre des mesures pour évoluer positivement. En parallèle, maintenez une communication constante avec votre équipe pour les tenir informés des progrès réalisés et des actions mises en œuvre pour rétablir la confiance. Transmettez vos intentions et vos efforts de manière transparente. Cela démontrera ainsi que vous ne ménagez aucun effort pour renforcer les relations et encourager la collaboration. Septièmement, célébrez les succès collectivement. Lorsque vous travaillez à regagner la confiance de votre équipe, il est important de reconnaître et de célébrer les succès, même les plus modestes. La célébration collective des réalisations et la reconnaissance créent une dynamique positive et renforcent le sentiment d'accomplissement au sein de l'équipe. En célébrant ensemble, vous réaffirmez l'idée que vous êtes tous unis vers le même objectif de reconstruction et d'amélioration. Organisez des moments dédiés pour mettre en avant les réussites individuelles et collectives. Cela peut prendre la forme de réunions spéciales, de courriels de reconnaissance ou même d'événements informels. Lors de ces célébrations, exprimez votre gratitude envers l'ensemble de l'équipe pour ses contributions. Montrez que vous appréciez les efforts investis et que chaque étape positive compte dans le processus global de renforcement de la confiance. En célébrant les succès, vous favorisez également une bonne ambiance au travail au sein de votre équipe. Cela peut agir comme un puissant levier de cohésion, renforçant les liens entre les membres et créant une dynamique collaborative encore plus forte. La célébration des succès collectivement contribue ainsi à renforcer la confiance. Cela montre que les efforts conjoints sont reconnus et valorisés et que chaque pas en avant est une victoire pour l'équipe dans son ensemble.